Hello tout le monde, donc je reviens pour une très très courte vidéo juste pour vous dire que dans le 76 les peintures, donc les Creative Paint sont sorties donc chez Action. Elles sont au prix de 2,59€, donc il y avait plus de choix que ça en couleur, mais moi je suis restée sur celle-ci. Ce n'est pas noté si c'est de la peinture acrylique ou pas. Moi j'ai pris ces couleurs-ci. Celle-ci. Donc dans les roses, hein. Et j'ai pris que un qui était pailleté. Il y en avait un qui était orange fluo. Personnellement, je ne l'ai pas pris. Peut-être que je le prendrai plus tard, hein, mais pour l'instant, j'ai pris ces quatre paquets-là. Et j'ai trouvé aussi autre chose. J'ai trouvé ceci. Alors, elle était sortie il y a pas mal de temps. Je ne l'ai jamais vue dans aucun de mes actions. Et là, donc, elle y était. Elle est au prix de 12,95€. Et en fait, moi, je la voulais tout simplement pour pouvoir faire de jolies écritures. Donc, le lettering, le hand lettering, enfin bref. Donc, vous avez trois positions de lumière différentes. Et ça se présente, c'est tout simple. Hein. Hop. Voilà, ça se branche sur secteur. Et en fait, ça, c'est via USB sur la tablette. Bon, je ne vais pas la brancher, hein, mais juste pour vous montrer, voilà. Donc c'est ça, et c'est vraiment tout fin. Et ça fait un bail que j'en voulais une. Et là, je l'ai du coup trouvée. Mais c'est parce que j'y suis retournée, parce que je cherchais les feutres aquarellables. Je ne les ai pas trouvés. Ils y ont été parce qu'il y avait le prix indiqué, mais rien d'autre. Et du coup, en fait, c'était juste au-dessus. Donc là... Donc ils appellent ça l'ultra mince et léger et c'est la light pad. Voilà, light pad. Donc dans le 76 sur Gruchet, non pas du tout, sur Gonfreville, Lorcher. Voilà, et c'est tout ce que j'ai acheté chez Action. C'est dingue, hein. Il n'y a pas beaucoup pour une fois, mais ça fait du bien. Sur ce, bon week-end, bye bye.